What does perfect even mean? Is there even such a thing? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, enfin sur un nouveau vlog. Genre là on va à Santa Julia et en fait on a croisé Julie Ferra, la fille que je vois depuis 3 jours, c'est une petite bloqueuse. Et en gros, j'avais vu à Porto Vecchio et au Rivière, mais j'étais pas sûre que c'était elle. Du coup, j'étais pas allée la voir. Et bah là, je l'ai revue. Et du coup, bah, je suis allée la voir. Voilà. Parce que, là, je lui ai dit, bah, écoute, on va aller lui demander. Et du coup, on vous mettra la photo sur Insta. Et puis, voilà quoi. Du coup, bah, je suis contente et tout. Et puis voilà. Et là, on va à Santa Giulia, du coup, une plage. Donc on doit marcher parce que il faut marcher quoi. Non, c'est grave, mais ça va, c'est pas loin. Mais ça va, on a l'habitude parce qu'avant on venait ici à la résidence. Ouais. Donc voilà quoi. Et du coup on vous montrera la plage et tout. Et puis voilà. Après on ira manger, je sais pas où. Mais voilà quoi. Mais voilà, t'as dit combien de fois voilà Jade? Je sais pas trop. Voilà, c'est le nouveau mois Jade. Non mais c'est une super plage Santa Giulia, on voulait retourner parce que avant on avait la résidence, on était en résidence et il y avait un chemin avec tiens voilà, avec du Covid donc voir. Attends là je suis en trop gros plan par contre. Ouais mais ouais c'est pas facile, mon petit chemin vous reprend à la plage. Ouais, à tout de suite. Ah t'es là, je t'avais pas vu. Tu me fais peur à chaque fois. Bon du coup vous verrez la couleur de l'eau ici. C'est bon. Turquoise. Et du coup là on a changé de enfin on est à la même place. Alors là c'est Santa Giulia, on a mangé à un restaurant. Franchement il est top, on vous a mis, je vous mettrai d'autres photos. Si vous venez à Santa Giulia, on vous le conseille. Et j'ai tout mangé. Et Jade a tout mangé, mais super bon. Et en fait, j'ai pris du. Sur le menu enfant, comme d'hab, menu enfant, ouais. Genre, du coup, les fruits de maison, là, c'est trop bon. Et comment ça s'appelle? Du panier. Ouais, du poisson panier. C'était incroyable. Mais vraiment incroyable. Et donc, j'adore du poisson panier comme ça, en mode incroyable. Je sais pas si on. Je pense qu'on reviendra peut-être manger avant de partir. Ouais. Un soir, peut-être. Trop bon. Oh, ouais. Ça peut être sympa, ouais. Stylé. Du coup là on est passé derrière l'autre côté de la plage, tu veux aller voir jusqu'au caillou? Oui, je suis déjà allée à Matisse. T'es allée avec Matisse? Ouais mais il y a des algues, du coup il m'a porté. Enfin, ah ouais, viens, va voir. Bon, il n'y a pas d'algues là. Non mais là-bas il y a des algues. Je ne veux pas voir, mais on va là dans le... Je n'aime pas les algues. Non, vraiment j'aime pas les algues. C'est pas une phobie mais j'ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur des algues. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des algues? Bah des trucs, ouais, des poissons, des crabes, en fait des algues qui me fait peur. Non pas les algues hein, ça me stresse. On est aussi allé voir pour le jet ski là-bas au fond. Donc on va faire jet ski cette semaine. Moi je vais faire du bateau mais tu peux pas. En vrai je pense pas on pourra faire. Bon on va regarder ça ce soir à la maison. Ouais on va se poser. Donc là cet après-midi on se pose un peu après midi plage, on va peut-être aller sur une autre plage. Et puis après ce soir on va faire un petit barbecue. Et on va regarder ce qu'on peut faire fin de semaine. Il nous reste 3 jours, du coup on va organiser nos 3 derniers jours. Il reste 3 jours, on est arrivé il y a 3 jours. Bah ouais mais samedi en fait on part tôt. Donc on prend l'avion à 7h40. Mais il fait beau à Brest. Mais oui, jusqu'à on part. Hein, jusqu'à on part. Mais bon c'est pas grave, ici il fait meilleur et on peut se baigner au moins. Parce qu'à Brest tu ne serais pas baigné. Aujourd'hui c'est pas trop beau. Ouais ça va, attends. Il y a des nuages mais on a eu du soleil depuis ce matin. Hein. Ouais mais bon. Bref, voilà quoi. Bon, du coup voilà. Je pense qu'on ira à l'autre après, peut-être pas, je sais pas. Bon, on pourra aller voir, on verra. Ils sont où ma tête? Ah ils sont là. Ah, ouais, du coup on se retrouve. On vous reprend après. Ouais. Tout à l'heure. Mais t'es trop près du bord. Mais non, viens là.
C'est nul ça. Allez, à moi sur tes épaules. Non, non, non. Vas-y, non. Là, du coup, on se trouve, il est 9h37. On a mangé. Ouais. Et puis Mathis s'est fait piquer par une guêpe sous l'œil. Donc, on a un peu géré ça. Donc, on a mangé un peu tard. Et du coup, aujourd'hui, on reste là ce soir. On se pose. T'as un coup de barre? Non. Un peu? Non, juste mes boutons de moustique. Ah, les boutons de moustique. Donc, aujourd'hui, on a fait la plage de Santa Giulia. Ouais, et on a fait un resto. Ouais, c'était hyper bon. Et demain, bah, je sais pas trop ce qu'on va faire. Bah, demain, je sais pas ce qu'on va faire. Bah, plage, sûrement. On a prévu de faire du jet ski avant la fin de semaine. Et puis, bah, on va voir. Demain soir, on sortira peut-être. On ira peut-être à Porto Vecchio. Ou manger au resto. On était à midi le soir. Ça peut être sympa aussi. Le resto de ce midi, il était sympa. Oui. On a super bien mangé. Oui. C'était hyper bon. C'était hyper bon, moi aussi. J'ai pris une salade. Et le dessert était super bon. Moi, c'était une glace. Et elle était trop bonne, la glace. Mmh. Mais vraiment. Bah, tout était vraiment fait maison. Donc, on vous mettra aussi le lien en barre d'infos si vous venez en Corse. Et puis, pour aller dans ce resto, c'était si vous allez. Paradisiala. Paradisiala, ouais. Donc, voilà. Si jamais vous alliez à la plage de Santa Giulia et que vous voulez manger, on vous conseille d'aller là-bas. Donc, voilà. Donc, journée plage aujourd'hui, toute la journée. Donc, on a pris les couleurs. On a profité de l'eau turquoise. Ouais. C'était joli. Ouais, c'était super joli. En même temps, voilà. Après, on veut profiter à fond du soleil et de la plage. Puis là-bas, à Santa Giulia, t'as pied partout. Ouais, on était presque au bateau et on avait toujours pied. On était au bateau. Moi, j'avais pied bah, sur le bout des pieds parce que quand même... voilà, mais bon. Voilà, sinon, j'avais pied. Du coup, bah, voilà. C'était bien. Et maintenant, à voir quand est-ce qu'on va faire le jet ski. Ouais, mais du coup, on a vu quelqu'un, en fait, c'est bien parce que... On fait le tour, on longe une plage, après on s'arrête quelque part pendant 5 minutes de baignade et après... Ouais, on fait une heure de jet ski en fait dans la baie de Santa Giulia. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, bah, c'est bien. Donc on va voir ça, on vous filmera de toute façon si on fait ça du coup. Et puis, ouais, on va voir ce soir, on va se poser un peu pour voir ce qu'on fait demain et ce qu'on fait jeudi. Bah, il nous reste de toute façon jusqu'à la fin de semaine. Il y a les tests PCR à faire aussi avant de reprendre l'avion. Et voilà. Et après, on rentre. Je vais essayer de voir ma meilleure amie la dernière semaine. La semaine prochaine, oui, t'as envie de voir Zoé. Je l'ai jamais vue. Enfin, genre, je l'ai vue avant l'été, c'est tout. Et après, j'ai plus envie. Ouais, mais après, elle était chez sa mamie. Après, elle est partie en vacances avec ses parents aussi. Donc, elle était chez ses cousines. Chez ses cousines, oui. Non, il y avait sa cousine qui était là aussi. Après, elle est partie, ouais. Ouais, c'était un peu compliqué, et, ou alors moi des fois je pouvais pas. Et puis du coup, la rentrée va venir vite hein, dans une semaine. Mais je sais pas à quel âge je reprends. Bah, j'ai pas regardé encore, faut que je regarde sur le site du collège. En même temps, tu rentres en 5e, ça doit être le matin aussi, comme les 6e. Hein. Ou l'après-midi, non, je crois que c'est l'après-midi. Les 6e, c'est le matin et l'après-midi peut-être. Et les 6e, ils reprennent pas le mercredi? Je sais pas. Non, je pense pas, la rentrée c'est pour le jeudi. Faut voir. Mais du coup, si je reprends l'après-midi, bah, je prends une grasse mat. Alors, je serai très... Ah ouais, il va falloir reprendre le rythme de se coucher tôt et de se lever tôt. À midi. Et d'arrêter de se lever à midi parce que pour aller à l'école, ça va pas le faire du tout. Donc voilà. Donc on va arrêter le vlog là, aujourd'hui. Ouais. Du coup, bah... J'espère que... Ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager ma chaîne ainsi que ma vidéo. Allez vous abonner à tous mes réseaux sociaux, mais en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.